Dragon, salut les phonodes, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite vidéo hors série aujourd'hui. J'ai demandé à mes consultants de vous faire un petit prono pour ce match contre Paris. Voilà, j'espère que ça vous plaira, ça change. Alors Nasco, quels sont vos pronostics pour Lyon-Paris ce week-end? Je pense que ça va être très compliqué et je pense qu'on va se prendre un 4-0, malheureusement. Ah oui, donc juste de quoi faire virer Peter Bosch. Exactement. D'accord. Bonsoir à tous les amis, l'heure est grave. Julien nous a demandé de faire un pronostic sur le match de dimanche Lyon-PSG. Alors voilà, tout de suite les gars, faut savoir, moi en termes de pronostic, je suis vraiment une merguez. C'est-à-dire que je suis comme Thiago Mendes quand il y a un ballon en profondeur. Tu peux être sûr que je me rate, mais à chaque fois, vraiment à chaque fois. Cependant là, on va se prêter au jeu. Match à la maison contre le PSG. Je vois une défaite de notre part, mais 2-1 pour le PSG, je pense que ce sera quand même serré. Salut les gones, salut les fanotes, c'est Vincent Le Baptou de la chaîne Julien Le Gaune, petite vidéo de Limassol à Chypre pour faire un pronostic sur le futur match OL-PSG de dimanche. Je nous vois nous incliner 3 buts à 2. Et est-ce que Boss sautera après ce match? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il y a des transats de libre. S'il a besoin de vacances, il n'y a aucun problème. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Papa? Ouais. Quel est ton pronostic pour le match Lyon-Paris? Moi, au risque de te surprendre, je pense qu'on veut gagner ce match. Et je dirais qu'on va gagner 2-1. Je vois bien un but de Lacazette, un but de Dembélé et en face un but de Mbappé. Sérieux? Ouais. C'est qui l'arbitre déjà? Le Texier. Le Texier? Ouais. Non, c'est mort, c'est mort. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train de filmer? T'as filmé ça là? Salut les Gaunes, salut les Fenotes. C'est Mathieu de la chaîne Julien Le Gaune. Une petite vidéo pour mon prono. Comment vous expliquer? Alors vous le savez, je suis un grand optimiste. On a pris 3 buts contre Lorient, on en a pris 2 contre Monaco. Notre défense s'est fait absolument entuber, pour être poli, par Mbolo. Alors imaginez ce que ça peut être avec un Neymar en feu qui réalise sûrement sa meilleure performance au PSG depuis le début de la saison. Mbappé, Messi, donc mon prono, c'est une victoire 5-1 du PSG. Et Peter Bosch sera sûrement licencié à l'issue de cette défaite. Salut les gones, en espérant me tromper. C'est parti. Eh, salut Edé, ça va? Oh, ça va ou quoi? Eh, tu penses que c'est l'OL ou PSG qui va gagner? Oh bah, je pense, tu vois, ça va être la surprise générale ce soir. Ça va être Lyon qui va gagner 2-0, but de Lacazette et Lukeba. Donc, grosse surprise. Bon, on va voir ça. Hein. Eh ben ouais. Salut à tous les gones, c'est Vic pour la chaîne de Julien Le Gaune. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous donner mon pronostic de dimanche contre le PSG. Je vois une victoire de l'OL 2-1, en espérant que cette prédiction se concrétise. Allez, ciao à tous. Salut les Gaunes, la ville. Donc, on m'a demandé mon pronostic. Lyon-Paris, moi, je sens le 2-1 pour Lyon. Voilà, c'est clair. Bonjour la communauté Julien Le Gaune. C'est Peter. Alors, le pronostic pour Lyon, Paris, Saint-Germain, c'est victoire de Lyon, 2-1. Un but de Mendes, un but de Toko, et eux, un but de Mbappé. Allez Lyon, allez Peter. Et voilà, je vous donnerai pas mon prono à moi, mais vous aurez mon prono vendredi avec l'émission d'avant-match avec Seis Panam et Parisien 88. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez jamais, même si je souhaite que Peter Bosch parte parce que c'est une trompette, je veux quand même qu'on gagne Paris ce week-end. Ciao les gones, ciao les phonotes et allez l'OL.